le téléachat. Qui n'a jamais regardé de sa vie une émission de téléachat? De son arrivée en France en 1987 grâce à Pierre Bellemare et sa célèbre émission Téléshopping, le téléachat n'a depuis lors eu de cesse de produire de nombreuses autres marques, dont M6 Boutique, Euroshopping et Best of Shopping en sont les dignes descendants. Et avec une moyenne de 120 000 téléspectateurs journaliers pour Téléshopping et 70 000 pour M6 Boutique, il n'est pas interdit de penser que nous avons tous un jour ou l'autre été accrochés par ce type d'émission, comme hypnotisés, envoûtés par les produits qui nous y sont présentés. D'ailleurs, avec un quart des Français ayant déjà acheté via ce canal de vente à distance au moins une fois dans leur vie et des revenus annuels de plusieurs dizaines de millions d'euros, les chiffres tendent bien à nous le laisser penser. Mais tu entres ! Comment font donc ces émissions de téléachat pour continuer de brasser toujours autant d'argent et éviter la faillite à une époque où tout est quasiment accessible au meilleur prix sur Amazon ou Alibaba et les 40 voleurs ? Vous savez, je me pose rarement, voire jamais ce genre de questions à la con. Mais là, pour le coup, je me la suis posée. Et comme ça m'agaçait sérieusement de me la poser, étant donné que personne n'y avait encore répondu, j'ai décidé d'y répondre par moi-même au moyen d'un gros travail d'investigation. Alors si comme moi l'envie vous dit de partir dans les tréfonds du business du téléachat et découvrir comment des sociétés génèrent des millions d'euros de revenus sur votre dos pour s'en sortir face aux géants du e-commerce, ne zappez surtout pas. Téléshopping, M6 Boutique, Euroshopping, Best of Shopping, les dessous du business du téléachat, c'est un document signé moi-même pour Eripiti Committee Production et l'apprenti millionnaire. Le monde est en perpétuelle mutation, et devant les changements qui s'y opèrent, s'adapter est devenu un enjeu crucial pour les différents secteurs institutionnels. Les sociétés de téléachat n'y échappent pas. En France, entre les années 1990 et 2010, seule la réglementation très contraignante établie par le CSA limitait de fait la croissance des sociétés de téléachat. Ces dernières étant en effet restreintes à diffuser une émission de type infomercial et fenêtre en lieu et place d'une émission en continu sur une chaîne dédiée. Malgré cette contrainte, les deux principaux acteurs de ce marché que sont Téléshopping et Shopping Service, représentés actuellement par leurs marques Téléshopping et M6 Boutique pour le type fenêtre et Euroshopping et Best of Shopping pour l'infomercial, s'y accommodaient du fait de leur non-concurrence, le type de produit promu n'étant pas le même. Mais l'arrivée d'Amazon en France a totalement changé la donne. Les prix agressifs rendus possibles par les économies d'échelle réalisées ont commencé à impacter en profondeur le marché de la vente à distance, faisant ainsi passer un marché du téléachat estimé à 250 millions d'euros en 2010 à seulement 150 millions d'euros en 2020. Mais au-delà de la prise de position sur le marché du géant américain de l'e-commerce, cette période fut également marquée par la crise de la consommation post-2008 et l'arrivée en 2015 du leader mondial du téléachat, l'américain QVC, et ses 9 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Deux événements marquants qui ne manquèrent pas d'impacter également en profondeur le business de deux acteurs français du téléachat. Mais voilà, dans ce monde où l'adaptation est le maître mot, aucune entreprise n'est à l'abri de l'échec, même celle dominant son marché. Un constat terrible que ne manqua pas de valider QVC, qui, dans l'anonymat plus total, disparut du marché français en raison, en soi-disant, de défis structurels et de la dynamique unique du marché. Nous sommes au début de l'année 2019 et c'est l'euphorie dans le camp de Téléshopping et Shopping Service qui voit subitement apparaître devant leurs yeux larmoyants de bonheur l'espoir de sortir de leur apnée interminable, les ayant déjà privés ces 10 dernières années de 40% de leur oxygène. Du bien que, pris par les émotions, nos deux patrons décident naturellement de sabrer le champagne pour fêter cela dignement. Grave erreur de leur part, car nos deux alcools l'ont oublié, mais Alibaba, concurrent le plus sérieux d'Amazon, a récemment sorti la version française de son célèbre site aux yeux bridés, AliExpress. Une sortie que peu de gens remarquèrent et qui pourtant permit à la société de réaliser un petit boost au niveau du chiffre d'affaires, prémisse d'une possible croissance exponentielle et d'un nouveau combat pour nos deux suprêmes leaders du téléachat, à l'image de plus en plus désuète. Toutefois, ce combat pourrait malgré tout se révéler être moins compliqué que prévu si le CSA décidait une bonne fois pour toutes de ne plus écouter son foutu ego par un allègement de sa réglementation et un octroiement d'une fréquence TNT dédiée à la diffusion d'un téléachat en continu, permettant ainsi au marché français de passer de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires à 1,4 milliard d'euros selon une étude réalisée en 2013 par Altermind pour le compte de Shopping Service. Un volume qui, de facto, le placerait au niveau de la Grande-Bretagne et un cran en dessous de l'Allemagne et permettrait en sus de donner un coup de boost à l'économie française avec un minimum de 8000 emplois directs et indirects créés. Ce qui, pour cette période compliquée due à cette foutue Covid-19, serait quand même une sacrée bonne idée. Je dis ça, j'irai qui voudra. Quoi qu'il en soit, face au cadre juridique ultra restrictif, à l'arrivée de nouveaux concurrents plus motivés que never, à une crise financière imprévisible, et surtout à la croissance exponentielle d'Amazon et la montée en puissance du géant chinois Alibaba, Téléshopping et Shopping Service n'ont eu donc de cesse ces dernières années de chercher des solutions pour maintenir leur petit business à flot. Et au regard de leurs résultats financiers, on peut dire qu'ils sont plutôt bien arrivés dans l'ensemble. Car malgré une baisse de 32,5 et 37,5% du chiffre d'affaires entre 2012 et 2018,
la tendance des bénéfices de Teleshopping et de Home Shopping Service stagne quant à elle aux alentours de 5 millions d'euros, montrant bien la faculté des deux sociétés à faire front face aux intempéries du marché. Enfin, je dis des deux sociétés, il faudrait plutôt dire de la société Home Shopping Service. Parce que cette tendance ne prend effectivement pas en compte les années 2017 et 2018, totalement foireuses pour Teleshopping, meurtries par la stratégie totalement foireuse de Agnès Roussor, nouvelle DG de Teleshopping, qui lui fit perdre 7,2 millions d'euros en 2 ans, et poussa dans la foulée TF1 se séparer de Teleshopping après 30 ans de bons et loyaux services. C'est perf, ça s'applaudit. Mais enfin, ne l'accablons pas trop, car il n'est jamais simple de maintenir à flot un business trouvé de toutes parts. Ça l'est d'autant plus lorsqu'il faut dire adieu aux parties de plouf plouf l'endiablé au coin du feu et aux appels du Saint-Esprit. Il y a un temps à tout. Et début 2012, le plus grand sérieux et pragmatisme s'imposait déjà. Car 4 ans après le début de la crise de la consommation, la zone euro tapait elle aussi sa petite crise, menant tout droit la France face à la récession qui a des mesures d'austérité. Qui plus est, les leaders du e-commerce montaient en puissance et de plus en plus de boutiques en ligne voyaient le jour, portées par les enseignes de grande distribution et les acteurs traditionnels de la vente à distance. Malgré un panier moyen en baisse, les ventes e-commerce continuaient finalement de progresser grâce à une récurrence d'achats de plus en plus élevée. Rien de bon donc pour un business dont le e-commerce n'est pas dans son ADN et dont la récurrence d'achat reste par principe assez faible. De 1 à 2 achats par an en France contre 12 à l'étranger, comme nous l'indique le rapport de Altermain. Loin des 33 transactions enregistrées en moyenne chez les acheteurs du e-commerce en France en 2018, et permettant à ce marché de générer un chiffre d'affaires annuel moyen par client 4 à 5 fois plus élevé que le téléachat. A cette époque, il était donc urgent de trouver une solution efficace pour éviter la catastrophe. Une solution qui puisse d'un côté réduire les charges et de l'autre augmenter les produits. Et au miracle, croyez-le ou non, je m'en cogne, cette solution arriva assez rapidement sous le bureau des patrons de Teleshopping et de Home Shopping Service. Mais point de secrétaire cette fois-ci, seulement un petit plan d'action simple à appliquer. Tellement simple d'ailleurs, qu'aucun des PDG ne se fit prier pour commencer à l'appliquer dès que la merde commença à pointer le bout de son pif ou que la prise de conscience les frappa de plein fouet. Face à l'urgence de la situation, Teleshopping fut la première à réagir avec la fameuse vente d'actions où ces dernières, détenues à hauteur de 80% du capital dans le site e-commerce Place des Tendances, furent cédées à la holding Printemps contre 20 millions d'euros en novembre 2013. Une stratégie qui, à l'époque, fit tellement du bien en caisse de Teleshopping que Agnès Roussor crut bon de la réitérer en avril 2018 en cédant 100% des titres détenus dans sa filiale Opticoal, soit 47% du capital. Mais bah, manque de peau pour elle, cela ne suffit pas à cacher la misère qu'elle était en train de créer. Bon, et sinon, Home Shopping Service ne fut peu en reste puisqu'elle céda en mars 2014 100% du capital de Mr. Good Deal au groupe Darty, soit 2 millions d'euros. Une opération bénéfique qu'elle réitéra en juillet 2018, non sans une certaine tristesse, en cédant cette fois-ci 100% du capital de la société Monde Album Photo et son activité Printic à Albéli pour la coquette somme de 40 millions d'euros. Évidemment, qui dit vente d'action dit également acquisition. Là va pas sans l'autre. C'est ainsi qu'en 2012, Teleshopping trouva son nouveau relais de croissance au prix de Direct Optique, futur Opticoal, par une augmentation de sa participation de 25,4% à 47,8%, alors que Home Shopping Service se réconforta quant à elle dans les bras de Best of TV et Home Shopping Service Belgique en janvier 2014 et décembre 2018 par une entrée au capital de 50%. Fin 2012, début 2014 et 2018 furent donc des années de cession-acquisition à des époques un peu tendax pour nos deux suprêmes leaders. Tellement tendax d'ailleurs que nos deux patrons de Teleshopping et Home Shopping Service prirent la décision de se réunir autour d'un bon verre de Pinot histoire d'en discuter. Et alors que l'un dansait la polka sur le comptoir à cause du verre de trop, l'autre eut l'idée du siècle. Enfin, c'était déjà écrit dans le fameux plan d'action, mais ne lui enlevons pas l'honneur d'y avoir pensé. Cette idée, ce n'est ni plus ni moins que le licenciement. Comment n'y ai-je pas pensé? Se dit l'autre gigoto, complètement torché dans les seins de la serveuse. Je ne sais pas, lui répondit l'autre abruti. C'est ainsi qu'une belle histoire d'amitié naquit entre les deux leaders. C'est également ainsi qu'ensemble, main dans la main et joue contre joue, ils entreprirent au début 2017 un vaste plan de déconfinement, histoire d'alléger la masse salariale. C'est terrible, c'est affreux, se dirent les ex-salariés. Mais rien n'y changea. Les boules qui y a s'étaient sorties car le temps pressait en raison de la pression de plus en plus forte émise par les leaders du e-commerce. Qui plus est, en sus de l'optimisation des charges et produits financiers réalisés, nos deux entreprises devaient également, et à tout prix, trouver un moyen efficace de réduire les charges d'exploitation et augmenter les produits d'exploitation. Servir au mieux le client pour le satisfaire est un enjeu crucial pour les entreprises de vente à distance comme le téléachat. Et on va pas se mentir, à ce niveau,
peu d'entreprises sont en mesure de rivaliser avec le roi du e-commerce qu'Amazon. C'est d'ailleurs en grande partie grâce à l'efficacité de sa logistique que ses revenus n'ont eu de cesse d'augmenter ces dernières années. Car en prenant soin d'enregistrer correctement les commandes et de livrer le bon produit dans les délais impartis, l'entreprise s'assure d'augmenter la confiance de ses clients et d'amener naturellement des revenus supplémentaires sur le moyen et long terme. D'ailleurs, c'est à cause de difficultés logistiques que l'activité de téléshopping fut en retrait en 2016. S'apercevant de problématiques liées à cette même logistique, Shopping Service, via son prestataire, avait également assuré en 2016 avoir optimisé les délais de livraison et amélioré la satisfaction des clients. Toutefois, la livraison des produits aux clients ne doit pas se faire sans une maîtrise totale des coûts de stockage. Et de ce côté, il faut dire que les prestataires de téléshopping et Shopping Service, avec leurs plus de 1,5 million de colis envoyés par an, gèrent plutôt bien leur affaire. Des chiffres hein, que vous ne comprenez certainement pas, mais qui témoignent d'une mécanique bien huilée et d'un faible besoin en fonds de roulement. Ce n'est donc malheureusement pas à ce niveau que nos deux percasteurs du téléachat allaient pouvoir faire des économies. Mais point d'inquiétude, se dirent-ils. Peut-être que la prochaine action listée sur plan d'action nous délivrera de nos chaînes, se dirent-ils. Et c'est ainsi que ce qui devait arriver arriva. C'est ainsi qu'ils prirent la décision de réaliser l'action la plus redoutée par les entreprises et nous, les clients, de par sa faculté à désintégrer toute éthique et portefeuille en un claquement de doigts. Nous sommes au cœur des années 2011 et 2012, en plein DSKgate. Cela fait maintenant 3 ans que le chiffre d'affaires de téléshopping et Shopping Service est sur une tendance stagnante, voire légèrement baissière. Le contexte économique et concurrentiel se fait clairement ressentir. Et alors que tous les employés se demandent bien à quelle sauce ils vont être mangés, nos deux patrons vont pourtant leur laisser un sursis par 2 petits tours de passe-passe dignes des plus grands illusionnistes. La baisse du prix d'achat via l'achat d'un plus gros volume de marchandises faisant directement augmenter le taux de marge commerciale et l'augmentation ni vue ni connue, je t'envoie, de la marge brute de plus de 10%, la faisant ainsi passer approximativement de 40 à 52% pour Shopping Service et de 50 à 60% pour Téléshopping. Les deux entreprises préférant miser sur la qualité des produits proposés et de son service client associé, quitte à prendre le risque de potentiellement baisser en volume et en chiffre d'affaires par un transfert de clients vers des offres financièrement plus attractives. Mais voilà, le risque ne paya pas. Car malgré une augmentation du prix de vente des marchandises, une bonne gestion de la rotation des stocks et une diminution du prix d'achat des marchandises, le chiffre d'affaires continuait de foutre le camp. Et puis, comme il faut. Hein. Et ce n'est pas les promotions à tout va que leur soufflaient de réaliser leurs petits camarades de classe qui arrangea leurs affaires. La politique promotionnelle agressive des acteurs du e-commerce et de la grande distribution au pouvoir de négociation important, les empêchant, quoi qu'ils fassent, de générer d'importants volumes de ventes. Mais que cela ne tienne. Leur objectif derrière ces actions était plutôt de compenser du mieux possible la perte prévisionnelle du chiffre d'affaires, tout en évitant de flinguer les bénéfices. Et pour se donner tous les moyens d'atteindre cet objectif, nos deux acteurs se sont en grande partie appuyés sur ce qui a depuis toujours fait la force du téléachat. Lorsqu'une entreprise souhaite prospérer sur une niche ou un marché, l'un des meilleurs moyens d'y arriver est de s'y adapter en s'appuyant sur une stratégie dite de différenciation. Et Téléshopping et Shopping Service n'ont pas manqué de l'utiliser pour maintenir leur navire à flot dans ces océans rouges que sont le marché de la vente à distance et du e-commerce. Mais de quelle manière nos deux acteurs du téléachat en France se sont-ils réellement différenciés? Quels ont été leurs leviers pour se créer leur petit coin d'océan bleu? Élément de réponse. En comparant attentivement leurs émissions respectives, notre jugeote nous révèle que le type de produit proposé à la vente n'est pas tout à fait le même d'une émission à l'autre. Dans une interview réalisée en 2017, Agnès Roussor validait d'ailleurs ce fait en expliquant que le téléshopping n'a pas de concurrence à proprement parler, étant donné que les acteurs français se différencient sur le type de produit. Le téléshopping étant plutôt présent sur la vie pratique et la maison, alors que Shopping Service l'est sur les bijoux ou la cosmétique. La différenciation sur la niche par le type de produit proposé à la vente représente donc l'une des premières stratégies de différenciation menées par nos deux acteurs du téléachat. Cela semble assez logique en soi. En tout cas, ça l'est pour moi. Car dans un contexte où nos deux acteurs sont seuls sur la niche, il est bien plus judicieux pour eux de s'allier en proposant une gamme de produits différente que de prendre le risque d'éclater leur chiffre d'affaires en se positionnant sur le même type de produit. D'ailleurs, hasard du script ou non, c'est également sur cette gamme de produits que nos deux acteurs du téléachat parviennent à se différencier. Non plus cette fois-ci au niveau de leur niche, mais au niveau du marché de la vente à distance et du e-commerce. Dans la vente, tout le monde s'accorde sur le fait qu'il est beaucoup moins compliqué de vendre un produit qui répond à un réel besoin et propose un véritable avantage concurrentiel que l'inverse. Car ce n'est dès lors plus tant le message de vente qui porte le produit, mais le produit qui porte le message. Et c'est spécifiquement sur ce point-là que se différencient Téléshopping et Shopping Service, par la capacité de leurs équipes à sélectionner les bons produits. Des produits qualifiés dans leur ensemble d'expérience, selon Philippe Nelson, Riez et Boss ou Valérie Zetamen, qui soient évidemment autant avantageux pour eux que pour le client. Mais
quand même un plus pour eux. Car nos deux entreprises du téléachat ont bien analysé leur marché et ont pris conscience que l'un des plus gros points faibles de la grande distribution et des géants du e-commerce, tu devais en avoir un petit à gratouiller là, se trouve dans l'abstention ou la faible propension à la présélection des produits proposés à la vente. Car même si le catalogue est vaste et permet de répondre à tout type de besoins, il n'en demeure pas moins que cela augmente les probabilités de tomber sur un mauvais produit ou de ne rien acheter, impactant ainsi négativement la confiance du client envers la société de distribution et les ventes de cette dernière. D'ailleurs, tout ceci s'explique parfaitement d'un point de vue de notre survie, où tout est fait pour qu'un minimum d'énergie soit dépensé par notre système. La recherche et la sélection d'un produit étant une dépense non négligeable, plus la quantité d'informations à traiter pour celle-ci sera élevée, plus notre cerveau aura tendance à réaliser des erreurs ou à éviter la prise de décision. D'où la nécessité pour nous, clients, de passer par un intermédiaire de confiance dont ce dernier peut autant prendre la forme d'ancien client que d'une personne d'autorité physique ou morale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle des sociétés comme Booking, Just Eat, Airbnb ou Voyage Privé fonctionnent si bien. Parce qu'elles sélectionnent pour nous le meilleur hôtel, restaurant, appartement ou voyage parmi des centaines ou milliers disponibles. Nous évitons ainsi de perdre notre temps, notre énergie et notre argent inutilement. Donc, au placard, les préjugés. C'est bel et bien pour nous venir en aide que les prestataires au grand cœur de télé-shopping et home shopping service sillonnent chaque année le monde à la recherche de nouveautés de leurs futurs produits stars. Dans une interview réalisée par TV Mag en février 2020, Jérôme Billard, nouveau patron de télé-shopping depuis la revente par TF1, annoncé que sur les 2000 produits retenus en moyenne chaque année par le biais de centaines de fournisseurs, des salons, de concours à l'innovation ou de furetage, 200 articles finissaient par être inspectés du point de vue de leur fabrication et de leur utilisation, avant que la moitié ne finisse finalement à l'antenne en tant qu'exclusivité, histoire de créer un petit sentiment de rareté dans l'esprit des téléspectateurs. Même si, au final, cette fameuse exclusivité ne l'est pas tant que ça, puisque un peu beaucoup bousculée par les géants du e-commerce, comme avait pu le souligner Caroline Bréchon, directrice expérience client et data pour M6 Boutique lors du Hub Forum en 2019. Et puis notre deuxième grande transformation, elle est liée à l'arrivée de géants du e-commerce comme Amazon et Alibaba qui ont un peu bousculé notre modèle historique d'exclusivité produit. Alors là, pour y faire face, nous avons travaillé sur deux axes. Le premier a été de renforcer l'engagement émotionnel entre nos marques et nos clients. Et le deuxième axe a été de développer des marques propres et certaines sont vraiment des grands succès que nous arrivons à exporter aujourd'hui à l'international. Quoi qu'il en soit, même si l'exclusivité est remise en question, la nouveauté et l'efficacité ne peuvent l'être. Et c'est bien pourquoi cet écrémage est nécessaire pour une entreprise dont la confiance du client représente le fondement de leur pérennité et dont le produit est au sommet de cette dernière. Ainsi, rien n'est laissé au hasard dans la sélection du produit. Car outre le fait que le produit soit sélectionné pour satisfaire le client, respecter les normes de sécurité et les réglementations en vigueur en France, ce qui est déjà pas mal en soi, il l'est également pour répondre à des critères de rentabilité. Des critères qui, comme spécifié dans le guide répertoire européen des entreprises de téléachat, doivent générer un achat impulsif. Et d'après les témoignages d'anciens employés, pour qu'un produit génère un achat impulsif, celui-ci doit être innovant, être visuellement très frappant, voire spectaculaire, afin de faire de l'image et d'en tirer une démonstration convaincante, être simple d'utilisation, et enfin avoir un bon rapport qualité-prix. Si ces critères ne sont pas totalement respectés, soit le fournisseur est insulté, soit le produit est rejeté, soit amené à être évolué. Parce que oui, un catalogue produit est moins efficace et c'est une perte de chiffre d'affaires assurée pour nos deux entreprises de téléachat. Comme atteste d'ailleurs le rapport financier du groupe M6 en 2019. Aussi, outre ces critères, les produits doivent également être sélectionnés et présentés de manière à prendre en compte la saisonnalité et le profil de la clientèle. Une clientèle en très grande partie féminine, senior autour de la cinquantaine, et aux revenus situés entre 1800 et 3000 euros net par mois. Laissant de ce fait peu de place aux appareils fitness et aux produits multimédia, souvent perçus comme trop complexes, contraignants ou assez chers, contrairement aux produits liés à la beauté, au bricolage, à la cuisine ou à l'entretien. Toutefois, il est à noter qu'une montée en gamme des produits sélectionnés pourrait avoir lieu, au même titre que la clientèle cible pourrait évoluer vers un profil plus jeune et au niveau de vie supérieur, si le CSA arrêtait de n'en faire qu'à sa tête. Finalement, c'est bel et bien grâce à leur expertise dans la présélection de produits que les entreprises de téléachat arrivent tant bien que mal à perdurer. Toutefois, ce n'est pas uniquement grâce à cette force qu'elles y arrivent. Une autre, encore plus décisive, la domine. Nul homme ne peut imposer à une femme de coucher avec lui. De ce fait, nul vendeur ne peut imposer au prospect l'acte d'achat, c'est QFD. Cependant, il peut néanmoins tenter de l'influencer pour arriver à conclure la vente. Et ces prescripteurs que sont les sociétés de téléachat l'ont bien compris. Grâce à des techniques de persuasion éprouvées, ces dernières vont, au fil des émissions et des produits présentés, tenter de mettre en confiance le téléspectateur. Parce que oui, une société de téléachat est avant tout un intermédiaire de confiance, comme avait d'ailleurs pu le souligner Howard Schiller, responsable de la marque QVC,
dans une interview réalisée par le Nouvel Obs en 2017. Un intermédiaire dont le rôle est, via des manœuvres discursives et démonstratives, de présenter des produits capables de répondre le plus précisément possible aux besoins du téléspectateur sans que celui-ci n'ait besoin d'y investir plus de temps, d'énergie ou d'argent que ce que lui coûte le visionnage de l'émission et l'achat du produit. Car là, oui, là, se trouve le véritable défi des sociétés de téléachat. Élever la conscience du téléspectateur durant toute la phase de présentation du produit pour que ce petit être spirituel encore sous-évolué comprenne en quelques minutes à peine à quel point le retour sur investissement énergétique, financier et temporel qu'il peut atteindre est spectaculaire. Et pour y arriver, nos sociétés vont s'appuyer sur ce qui fait leur plus grande force vis-à-vis de leurs concurrents, la réalisation et l'écriture de vidéos de vente. Parce que oui, réaliser des films de démonstration, louer un plateau studio pour y réaliser des démonstrations produits, faire appel à des témoins, clients, experts ou bien encore copywriter un script de vente efficace demande des moyens humains et financiers pour lesquels aucun concurrent n'est en mesure de s'aligner étant donné la profondeur de leur catalogue. Mais voilà, ici c'est pas Businessland et comme tout investissement, celui-ci doit être d'une manière ou d'une autre rentabilisé. Alors pour ce faire, les entreprises de téléachat vont surveiller de près l'un des indicateurs les plus importants en marketing et qui s'appelle le RIO, le taux de conversion. Car fait indéniable, plus le nombre d'acheteurs par rapport au nombre de téléspectateurs sera élevé, plus l'entreprise sera rentable du fait que davantage de revenus seront générés pour le même type d'investissement. Alors selon l'étude réalisée par Altermind, le taux de conversion sur le support télé en 2013 serait compris entre 4 et 5%, tandis que celui du support web pourrait atteindre jusqu'à 7% grâce aux émissions, selon Olivier Savette, responsable pôle acquisition de Home Shopping Service. Des chiffres qui, de facto, les placent au-dessus du taux de conversion e-commerce moyen en France qui est de 3%, mais encore bien en dessous du taux de conversion d'Amazon qui avoisine les 15% et de son ex-concurrent QVC qui, lui, avoisine les 14% sur la partie télé. Comme quoi, la castration du CSA porte bien ses fruits. Bravo! Toujours est-il que c'est bel et bien grâce à l'efficacité des émissions télé que Téléshopping, M6 Boutique et compagnie arrivent tant bien que mal à s'en sortir. Un fait qui avait d'ailleurs pu être souligné par notre très chère Caroline Bréchon lors de son entretien. Par exemple, nous avons sur le web des taux de transformation qui feraient des envies dans la salle. Nous sommes 2 à 3 fois supérieurs aux moyennes du marché. Et ça, c'est vraiment lié à notre forte efficacité de l'émission télé et de du nombre d'heures que nous avons chaque semaine sur les écrans. Mais alors, comment font ces entreprises concrètement pour arriver à convertir aussi bien leurs téléspectateurs en clients? Quel est donc leur pote secret? Élément de réponse. En posant nos petites fesses bien sèches devant une émission de téléachat en mode fenêtre, nous avons bien conscience, en tant que téléspectateurs d'un spectacle à part entière, que l'acteur, représenté par le présentateur, essaye à tout prix de nous refourguer ses produits présélectionnés avec amour. Et malgré notre peur logique de se faire pigeonner ou l'absence d'un besoin fondamental d'acheter le produit présenté, plus de 5% d'entre nous finissons tout de même par devenir clients. Si cela peut paraître surprenant au premier abord, voire même au deuxième, cela ne l'est pas tant que ça. Car qu'on le veuille ou non, de puissants mécanismes psychologiques sont à l'œuvre à un niveau inconscient, nous poussant à agir malgré notre désir de résistance. Des mécanismes activés par interrupteurs ou leviers psychologiques présents au sein même de la structure de vente et intervenant parallèlement tout le long de la vidéo de vente. De ce fait, ces mécanismes ne suivent pas un schéma prédéfini qui laisserait penser qu'ils sont activés les uns après les autres. Un mécanisme pouvant aussi bien être activé ou réactivé seul comme accompagné par d'autres. Ceci dit, les interrupteurs psychologiques sont assez peu nombreux et peuvent être divisés en 4 grandes catégories. Les interrupteurs qui activent la confiance, ceux qui activent le rapport, ceux qui activent un conditionnement et enfin ceux qui déclenchent l'action. Pourquoi, moi, là, ferais-je confiance à ce présentateur? Pourquoi ferais-je confiance au produit qu'il me présente, moi qui n'ai jamais tripoté ni même inséré quelque part? Ces doutes, ces incertitudes, cette méfiance ancrée dans notre subconscient, les sociétés de téléachat les connaissent bien et savent à quel point il est crucial pour eux de les lever en nous rassurant. Et pour ce faire, elles vont gagner notre confiance en actionnant des leviers psychologiques de persuasion développés dans 2 best-sellers mondialement connus, Influence et manipulation de Robert Cialdini et Comment se faire des amis de Dale Carnegie et qui sont la sympathie, la preuve sociale et l'autorité. Avec la sympathie tout d'abord, l'objectif des émissions de téléachat est de créer un lien d'amitié avec le téléspectateur, c'est-à-dire un lien basé sur l'affect. La force de celle-ci ayant une incidence sur notre motivation à agir, la charge émotionnelle générée par ces émissions devra donc être suffisamment construite. C'est pourquoi, à l'instar des réunions Tupperware dans lesquelles le vendeur se transforme en véritable best friend, les présentateurs de téléachat jouent le rôle de celui qui comprend, ressent et fait parfaitement savoir ce qui affecte profondément son ami. Et pour se transformer en cet ami qui nous veut du bien, sans en oublier bien sûr notre portefeuille, les présentateurs de téléachat vont avoir recours à plusieurs actionnaires. Ils vont par exemple sourire pour que, par contagion émotionnelle,
nous nous placions dans un état de bien-être essentiel du point de vue de notre survie, utiliser le pronom « ami » en lieu et place de notre prénom pour nous signifier l'intérêt qu'ils nous portent tout en leur attribuant inconsciemment l'étiquette d'ami, créer une similarité physique en s'habillant comme monsieur et madame tout le monde, créer une similarité mentale en mettant en avant nos points communs et en adoptant notre point de vue, nous faire sentir sincèrement notre importance en flattant notre ego par la mise en avant de nos qualités méritantes, se montrer vulnérable en osant dévoiler certains des problèmes que l'on a potentiellement, ou bien encore créer un environnement familier en utilisant des décors de la vie de tous les jours, ainsi qu'en étant présent tous les jours à l'antenne. En appliquant ces 7 éléments de sympathie dans leurs vidéos de vente, les sociétés de téléachat s'assurent de créer chez une partie des téléspectateurs un sentiment de confiance envers elles et les produits qu'elles présentent. Toutefois, pour atteindre les taux de conversion visés, la sympathie à elle seule ne suffit pas. Un autre levier psychologique se doit d'être actionné. Face à l'incertitude, la vérité, c'est les autres. Triste réalité au regard des conneries que font les autres, mais c'est un fait. Lorsque nous faisons face à un élément d'information qui nous est inconnu et pour lequel nous voulons avoir une réponse, nous suivons, tels des moutons de panurge, les pensées et comportements d'autrui. Cette réaction automatique sur la base d'indices insuffisants est cependant bénéfique pour notre survie. La dépense énergétique et le taux d'erreur étant bien moindre que si nous devions aller à leur rencontre. Et ça, Téléshopping et Home Shopping Service l'ont encore une fois bien compris. En injectant tout le long de la vidéo de vente des éléments de preuve sociale, elles vont capter l'attention des téléspectateurs, leur donner confiance au produit et leur montrer la bonne conduite à suivre. C'est ainsi qu'on retrouvera des éléments de recommandation tels que des témoignages d'intermittents du spectacle. Donc on retrouvera des éléments de recommandation tels que des témoignages clients, l'avis et l'approbation d'experts ou l'approbation du présentateur sur les dires de son collègue. On retrouvera aussi des éléments de popularité tels que le nombre de produits vendus ou le nombre d'utilisateurs, ou bien encore des affirmations sur le succès du produit. La preuve sociale est donc un levier psychologique très puissant pour modifier le mode de pensée et de comportement d'une personne. Et lorsque celui-ci est mêlé à l'autorité, la confiance du téléspectateur devient alors quasi assurée. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là, attention, prends pas froid, ou sinon gare-toi, mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents, touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman. Eh oui, nous ne cessons de grandir à travers des figures d'autorité. Et l'influence qu'elles portent sur nous est telle que nous y répondons très souvent favorablement. Tel point d'ailleurs que selon l'expérience de Milgram, nous sommes souvent prêts à commettre des actes contre notre gré parce que l'autorité ne nous l'a demandé. Parents, professeurs, patrons, médecins, coachs, nous les suivons tous aveuglément car leur statut fait d'eux des autorités dans leur domaine. Des autorités possédant de facto une expérience assez riche pour être amenées à leur faire confiance. C'est pourquoi nous nous référons souvent à des experts pour savoir comment penser et agir dans certaines situations. Alors un conseil, likez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne. C'est pour votre bien. Cette obéissance, quasi soumission à l'autorité, les téléshopping et autres M6 boutiques s'en servent volontiers pour tenter de nous vendre leurs produits. Toutefois, en l'absence d'autorité véritable, ces émissions vont être amenées à emprunter l'autorité de tierces personnes afin que l'interrupteur psychologique puisse être activé. C'est ainsi que l'on retrouvera dans ces émissions la présence de nutritionnistes pour promouvoir les produits d'amincissement, des médecins pour ceux liés à la santé, des chefs cuisiniers pour ceux liés à la cuisine, d'acteurs de films X pour ceux liés à la sexe... ça y est pas encore. Dommage. Cependant, et comme nous manquons d'informations à propos de leur véritable statut et expertise, les sociétés de téléachat vont également leur ajouter des symboles. Dans Influence et Manipulation, Robert Cialdini en dévoile 3. Le titre, les vêtements et les accessoires. C'est pourquoi nous retrouverons dans les clips vidéo d'Avis d'Expert un petit bandeau mentionnant le titre de la personne, genre ostéopathe, kiné, coach minceur, nutritionniste, expert beauté internationale, j'en passe et les meilleurs, une tenue particulière telle qu'une blouse blanche, ou bien encore des accessoires tels que des livres, des bijoux, du maquillage, un miroir, etc. etc. Alors évidemment, le levier psychologique de l'autorité ne s'applique pas à tous les produits du téléachat. Mais lorsque le produit s'y prête bien, il s'avère d'être d'une efficacité redoutable pour créer davantage de confiance envers lui. Alors cependant, créer une confiance envers le produit et les présentateurs pour être sûr de faire passer un téléspectateur à l'action ne suffit pas. Il faut également qu'un rapport étroit soit créé avec lui. Les présentateurs ont beau se travestir en amis et figures d'autorité bienveillantes, cela ne peut suffire à cacher leur véritable nature. Car on l'oublie souvent, mais la distance que le support télévisuel instaure entre les deux instances implique une communication unilatérale descendante ou hiérarchique à laquelle le téléspectateur doit se soumettre malgré lui. Ce rapport de force place ainsi les présentateurs en position dominante
et le téléspectateur en position de dominer, loin de ce fait d'un rapport d'équilibre ressortant d'une véritable relation d'amitié. Par ailleurs, et quand bien même ce rapport de force soit perçu comme une manière efficace d'imposer des idées, des opinions ou des croyances sans la moindre résistance, le déséquilibre qu'il crée ne favorise pas véritablement l'acte d'achat, puisqu'il ne place pas le téléspectateur dans les meilleures conditions émotionnelles. C'est pourquoi les présentateurs ne vont pas simplement se reposer sur cette domination préétablie pour créer un rapport avec le téléspectateur, mais plutôt chercher à adoucir ce rapport en utilisant l'empathie. Cependant, au regard de la distanciation émotionnelle que l'échange unilatéral impose, il est impossible pour nos présentateurs d'exploiter pleinement cette capacité. Ce qui signifie donc que je vous ai menti. Enfin, pas tant que ça. Car à défaut d'exploiter pleinement la capacité de l'empathie, rien n'empêche nos présentateurs de tenter de l'exploiter autant que possible. Et pour ce faire, ils vont essayer de s'identifier le plus possible aux sentiments du téléspectateur. Ils vont par exemple montrer à quel point ils les comprennent et déclencher une réponse affective, percevoir et décrypter le plus précisément possible son cadre de référence émotionnel, ou bien encore imaginer son profil type. Sans cette anticipation qui oriente le contenu et la forme de la vidéo de vente, point d'empathie possible. Finalement, tout cela montre à quel point il est compliqué de créer une connexion émotionnelle forte en l'absence d'une véritable communication bilatérale, et que cela est une raison suffisante pour utiliser un système de conditionnement. Par définition, revisiter de Ptelaros, conditionner une personne revient à la pousser à agir d'une certaine manière sans qu'elle ne se rende compte du processus d'influence dont elle est en train d'être victime. Il va donc de soi que les sociétés de téléachat ont recours au conditionnement pour pousser leurs prospects à acter l'achat. Mais comment procède-t-elle concrètement pour motiver un téléspectateur à agir selon leurs désirs les plus fous? Nous savons que le rapport créé par les sociétés de téléachat permet d'imposer plus facilement de nouvelles idées, opinions ou croyances chez le téléspectateur, façonnant ainsi une nouvelle réalité chez ce dernier. Partant de là, il devient naturellement possible de lui déterminer un nouveau comportement, lui imposer une nouvelle action, celle d'acheter, découlant de cette nouvelle réalité. Toutefois, cette forme d'incitation à l'achat ne certifie en aucun cas que celui-ci aura bien lieu, puisque partant du principe que chaque individu et contexte est différent, le téléspectateur répondra différemment à l'information qu'on lui transmettra. Au regard de cette incertitude comportementale, il est donc contre-productif pour les sociétés de téléachat de s'acharner à tenter de vendre leurs produits en s'appuyant exclusivement sur des anticipations émotionnelles et présupposés traits de ressemblance. C'est pourquoi elles vont plutôt se reposer sur un conditionnement basé sur ce qui nous motive tous en tant qu'êtres humains et qui sera notre interrupteur psychologique, nos besoins fondamentaux. Ces 10 besoins étant activés par le biais de 2 déclencheurs liés l'un à l'autre, l'insatisfaction et la satisfaction. Le processus d'activation se produira alors sur 2 phases. Première phase, faire prendre conscience au téléspectateur qu'il a toutes les raisons d'être insatisfait du produit actuellement utilisé ou disponible sur le marché, en mettant en avant ses manques liés aux besoins fondamentaux. Parce que vous aviez déjà essayé de perdre du poids, alors qu'est-ce qui fait que là ça a marché? Ça maintient ou ça maintient pas? Résultat, il est là. 5 fois supérieur au poil standard. Plus intense que la plupart des appareils sur le marché. Fini les machines à coudre, lourdes et encombrantes. Et deuxième phase, faire prendre conscience au téléspectateur qu'il a toutes les raisons d'être satisfait du nouveau produit qu'on lui présente, en lui montrant qu'il comble plusieurs manques liés aux besoins fondamentaux. A noter ici que d'après une étude de Richard Cardozo, plus l'effort au potentiel que le téléspectateur doit engager pour combler ce manque et l'intensité de son attente liée à ce comblement est important, plus la satisfaction perçue sera grande. C'est donc de cette manière que Téléshopping et M6 Boutique réussissent à activer en nous l'envie irrépressible de passer à l'action. Parce qu'ils communiquent subtilement, à travers la présentation du produit et de son environnement, des éléments d'information liés à nos besoins fondamentaux que sont la survie, la reproduction et le bien-être. Des besoins que certains amoureux du bordel monstre qui se passe dans notre crâne, comme Abraham Maslow, Edward Eldessi, Richard M. Ryan, Alfred Schultz ou bien encore Ronnie Spitz, se sont amusés à déterminer et à classer en 2 catégories. Les besoins physiologiques pour tout ce qui touche au corps, comme par exemple la santé, la sécurité, la nourriture, le sommeil ou la satisfaction sexuelle, et les besoins psychologiques pour tout ce qui touche à l'esprit, comme par exemple l'amour, les relations sociales, l'appartenance sociale, l'estime, la compétence, l'autonomie, l'accomplissement de soi ou bien encore le contrôle. Grâce à ces différents éléments liés à la survie, la reproduction et le bien-être, et injectés dans le discours et l'environnement de vente, les sociétés de téléachat vont être en capacité de faire redémarrer en nous le moteur de la motivation. Mais voilà, certaines personnes résistent mieux que d'autres à certains besoins fondamentaux. Alors pour cela, un flingue sur la tempe saupoudré du 4e interrupteur psychologique sera nécessaire à nos sociétés de téléachat pour augmenter les probabilités de les faire passer à l'action. Dans une interview réalisée par le Nouvel Obs en 2017, Grant Smuts, vice-président en charge du développement chez QVC,
Expliquer que, contrairement à Amazon où l'achat est impulsé par un besoin déjà présent, sur une émission de téléachat, il est impulsé par l'envie de se faire plaisir et d'être surpris. C'est ce que l'économiste Okun Sterns nomma dans un article publié en 1962 dans le journal du marketing « L'achat impulsif pur ». Un achat inhabituel, quasi spontané, réalisé sans réflexion antérieure. C'est pourquoi les sociétés de téléachat se sont emparées des travaux de Okun Sterns pour réaliser des vidéos de vente menant le téléspectateur à minimiser l'achat raisonné, ou calculé, et à maximiser l'achat purement impulsif. Ce dernier n'étant pas, il faut bien le souligner, le fruit d'un processus imposant un comportement non souhaité, puisque l'achat d'impulsion est un mode d'achat et non un mode de vente, et qu'en tout état de cause, il permet un échange où les deux parties y trouvent leur intérêt. Et oui, gardons quand même à l'esprit que les sociétés de téléachat sont des influenceurs et non des manipulateurs. Même si parfois, on a quand même pas une grosse raison d'en douter. Toujours est-il que pour créer cet achat d'impulsion, ces sociétés, par le biais de leur émission, vont être amenées à inhiber chez le téléspectateur l'évaluation des conséquences de l'acte d'achat, à court-circuiter la partie rationnelle de leur cerveau pour les installer dans une sorte d'état d'hypnose éveillé, laissant libre cours aux états affectifs propres à l'acheteur compulsif que sont la colère, l'anxiété, la frustration ou bien encore l'excitation. Et pour y arriver, elles vont tout d'abord et durant tout le long de la vidéo de vente tenter de garder leur attention au maximum grâce à une présentation omniprésente du produit positionnée au sein d'un cadre et d'un environnement discursif varié et empreint d'émotions, amenant par la même occasion une réduction progressive du risque perçu. C'est pourquoi le téléspectateur retrouvera son produit présenté au sein du plateau télé et dans une vidéo démonstrative, et qu'il le retrouvera présenté de différentes manières par les présentateurs télé, la voix off de la vidéo démonstrative et les interviews d'experts et de clients. Sa partie rationnelle anesthésiée ne restera plus alors qu'à injecter dans son cerveau un sentiment d'urgence par l'utilisation de l'effet de rareté pour que, bim boum, padaboum, l'impulsion d'achat se déclenche d'elle-même. Grâce aux différents interrupteurs psychologiques utilisés par les présentateurs de téléachat, ces derniers vont donc être en mesure d'augmenter les probabilités de créer chez le téléspectateur l'envie irrésistible de se procurer le produit présenté. Mais pour que l'impact soit encore plus puissant et que le taux de conversion s'envole, les présentateurs ne vont pas simplement se contenter d'activer les interrupteurs quand bon leur semble. Ils vont également, et par-dessus tout, s'appuyer sur une structure de vente efficace qui servira de support aux différents interrupteurs. Qu'est-ce qui peut bien pousser les gens à poser leur petit cul dégueulasse sur le canapé pour 5 minutes plus tard décrocher leur combiné et acheter ce produit totalement inutile pour eux? Alors nous l'avons vu, les interrupteurs psychologiques présents au sein du système de vente sont en grande partie responsables de ce comportement délirant. Toutefois, pour que le potentiel de ces interrupteurs soit totalement libéré et impacte en profondeur le téléspectateur, les animateurs des émissions en mode fenêtre vont être amenés à les activer au sein d'une structure de vente se répétant au fil des changements de cadre de présentation. Un changement de cadre qui, en sus de prolonger l'attention accordée au produit et d'augmenter sa présence dans la conscience du téléspectateur, offre la possibilité d'incorporer de nouveaux éléments discursifs utiles à la conclusion de la vente, puisque chaque élément devient alors un moyen supplémentaire d'augmenter les probabilités de capter l'intérêt d'un plus grand nombre de téléspectateurs. Ainsi, par ce procédé d'exposition, la tournure des phrases et les mots employés diffèrent, mais le message final reste le même. Un message dont l'information à transmettre a comme principal objectif de vaincre les objections du téléspectateur liées à ses besoins fondamentaux pour créer en lui de nouvelles croyances vis-à-vis du produit. Des croyances selon lesquelles ce nouveau produit engendre potentiellement pour lui, du point de vue survie, reproduction et bien-être, davantage de gains que de pertes. Voilà. Et donc pour arriver à lui fourrer dans le crâne l'idée que le retour sur investissement temporel, financier, énergétique est très intéressant, le message va s'appuyer sur une structure de vente bien connue et ayant fait depuis longtemps ses preuves, la structure FAB, pour fonctionnalité, avantages et bénéfices, laquelle sera couplée à la méthode AIDA pour attention, intérêt, désir et action. Alors plus concrètement, l'attention sera activée et réactivée au moyen d'une touche d'interruption de pattern et de curiosité. L'intérêt sera activé au moyen d'une promesse principale liée au problème majeur et secondaire ou inversement, ou bien d'éléments permettant de retirer de la douleur vis-à-vis de l'utilisation du produit et d'autres permettant de retirer les doutes sur l'efficacité du dit produit. Le désir sera activé pour sa part au moyen d'une offre irrésistible, laquelle sera construite au travers d'une garantie visible, mais pas toujours, d'un ou de deux order bump, ainsi que d'une ou de deux remises, histoire d'augmenter le panier moyen du client tout en lui faisant croire qu'il est sur l'affaire du siècle. Et enfin, l'action sera activée au moyen d'un call to action et d'éléments de stress marketing tels que l'urgence ou la rareté. Ceci dit, pour mettre en lumière aux mesdames Fab et Aïda et vous montrer qu'il n'y a pas que des conneries dans ce que je baragouine, je me suis appuyé sur les vidéos de vente des trois produits les plus populaires de téléshopping que sont la cure éclair Liberté Plus, les rangements sous vide et les oreillers à mémoire de faim. Et après les nuits passées à m'exploser la tronche à coups de caféine, voici un aperçu de ce que ça donne. Attention, véritable
alerte d'urgence ce matin. J'ai perdu 7,2 kg et ça m'a rajeuni. Dormez heureux. Il est nouveau, il est énorme. Ça, c'est la Cure Éclair Liberté Plus. La nouvelle star de vos nuits, c'est le cœur du sommeil confort. Perdre jusqu'à 4,2 kg en 7 jours. 12,5 kg. 27 cm de tour de taille. Et vous perdez aussi bien du ventre que des hanches. Dormez heureux. Une des technologies utilisées en matière d'oreiller pour parvenir à cet objectif, c'est la mémoire de forme. C'est le moyen instantané de gagner plein de place. Si vous voulez désencombrer votre maison tout en protégeant votre linge, les Rangemax sont faits pour vous. Ça s'est bien passé. C'est génial. Et ça marche très bien. Déjà des centaines de milliers à l'avoir fait. Mes nuits sont parfaites, quoi. Je ne me réveille plus. Ça maintient ou ça maintient pas? Le résultat, il est là. Plus de douleur au cervical, je fais de meilleures nuits. Pas le fruit du hasard, non, c'est de la recherche. C'est l'un des plus grands tops de télé-shopping, produit préféré. Oh, regardons tout ce qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur. Il y a beaucoup de monde qui dort chez vous. Rapidité, mais aussi motivation. On peut manger à volonté, tout simplement. Introduire tous les aliments. Pas la sensation d'avoir faim, on mangeait bien. On fait le vide sans les mains. Sans effort et sans contorsion. Ranger devient un jeu d'enfant, sans crâne de surcharge. Sans même aspirateur. On se réveille, bien entendu, on dort mal. C'est fini, tout ça. Deux bols de potage avec un système de dosettes. Et renforcé en vitamines. Deux fois moins de sucre et de matière grasse qu'un potage normal. Deux fois moins de calories que les apports nutritionnels normaux. On prend un livret d'accompagnement avec des recettes. 14 sachets individuels de soupe. Deux rangements sous vide, petit modèle. Le grand modèle. Les rangements de voyage. Le jumbo. Le spécial penderie. Ça, c'est vraiment un embout extrêmement ingénieux. Deux sacs petit modèle, un grand et un géant d'une contenance de 878 litres. Grâce au kit ma libre aspiration, sac penderie pour toutes vos robes et vos manteaux. Le meilleur de ces deux technologie constituée de fibres creuses en polyester, la housse amovible, matelassée, cœur thermosensible. Les cervicales ici sont parfaitement soutenues et la colonne vertébrale reste bien alignée, qui assure un soutien parfait de la tête et reprend sa forme initiale après chaque mouvement. Pour éviter tous les problèmes de transpiration, plus de vitamines, plus de facilité, de simplicité. Pratique, vous pouvez l'emporter partout avec vous. En fait, on mange sainement. Énorme en termes de capacité. Le vide se fait tout seul. Protéger toutes nos affaires de la poussière, de l'humidité, des mauvaises odeurs et des insectes. Toute tranquillité pendant plusieurs mois. Tout est à l'abri. Vous êtes magnifique. Il est ébahi. Superbe. Le beau gosse. Super. Vous êtes vraiment magnifique. Et Lucille, magnifique. Sexy. Je me suis remis au sport. Ça m'a motivé. Et je suis plus en forme qu'avant. Réveillez-vous en pleine forme. Incroyable, je revivais. Réduire le nombre de micro-réveils et donc donner un sommeil beaucoup plus réparateur. Ça va nous faciliter la vie encore plus. On gagne du temps. Rapide, facile. Quadruplez votre espace de rangement. Gain de place et une protection optimale. 14 jours pour 39,99€, c'est maintenant. Allez-y, vous l'essayez. Vous ne ratez pas l'offre qu'on vous fait là tout de suite. Profitez-en. 30 jours pour être satisfait ou remboursé. Deux oreillers pour le prix d'un ce matin. 70% de réduction, moins 20% supplémentaire. Finalement, nous nous rendons bien compte, à travers l'analyse des vidéos de vente des émissions de téléachat de fenêtre, qu'une vidéo se comporte en véritable système, dont la structure, les éléments qui le composent et les mécanismes mis en œuvre jouent un rôle déterminant dans l'apparition de l'acte d'achat. Toutefois, et bien que la vidéo de vente soit en grande partie responsable de la longévité des sociétés de téléachat, au même titre que peut l'être l'optimisation des charges et des produits, cela ne peut suffire. Car pour réellement espérer perdurer dans un marché de la vente à distance de plus en plus concurrentiel, un dernier axe stratégique se doit absolument d'être exploité. Le digital a entraîné vraiment des grosses transformations dans notre modèle. La première grosse transformation, elle est liée à un report des commandes de nos clients du téléphone vers le web, ce qui a engendré pour nous une diminution de la valeur client. En effet, là où nous avions des téléopérateurs excellents dans l'art de vendre des upsells, on n'arrive pas à faire aussi bien sur le canal web. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour contrer ça, déjà d'une part, nous essayons d'être toujours à l'avant-garde des évolutions du e-commerce, notamment avec la révolution mobile. Et puis, en parallèle, nous essayons d'aller sur d'autres canaux de distribution. Coquinette Caroline Aubrechon se met à nu et nous dévoile ici l'un des enjeux majeurs des acteurs du téléachat, à savoir s'adapter à l'ère du digital et aux nouveaux modes de consommation qui en découlent par l'utilisation de nouveaux supports et canaux de communication et de vente.
D'ailleurs, elle n'est pas la seule à allumer la loupiote pour mettre en lumière l'importance de cette diversification multicanale et multisupport. En effet, dans son interview réalisée en 2017, Grant Smuts expliquait qu'une des religions de QVC était de suivre le client où qu'il se trouvait. Hashtag psychopathe. Et alors qu'il y a 30 ans, QVC était qu'une simple émission de télévision, la société est aujourd'hui présente sur tous les supports grâce à une bonne adaptation aux évolutions technologiques. Dans une autre interview réalisée le 13 février 2018 par le site e-commerce Mag, Isabelle Fournier, directrice générale adjointe de Home Shopping Service, expliquait pour sa part qu'en raison d'une fragmentation de l'audience ces dernières années, une stratégie multicanale était nécessaire pour pallier à ce changement. Comme jamais 203, Jérôme Guillard y alla également de sa petite remarque en expliquant au site DHNet le 29 février 2018 que les multiples moyens de communication du télé-shopping faisaient sa force face aux mastodontes de l'e-commerce. Bref, il n'y a pas sourcier, tous s'accordent sur le fait qu'être présent sur un maximum de supports et canaux de communication et de vente est de nos jours une stratégie imposée par la concurrence et l'évolution du marché. Alors imposée certes, mais cela ne signifie pas pour autant qu'elle se veut être d'un poids insoutenable. Au contraire même, puisqu'elle a l'avantage, comme le souligne Caroline Bréchon, de permettre d'acquérir une plus large audience, de permettre un ciblage et une personnalisation plus poussée de cette dernière, d'élargir la gamme de produits en la présentant au travers du site et d'un stream continu, ou bien encore de rassurer le client en lui offrant des informations supplémentaires nécessaires à sa prise de décision. Cette stratégie multicanal multisupport possède donc finalement bel et bien tous les ingrédients nécessaires à l'augmentation globale du taux de conversion. Que de ce fait, ce n'est pas un hasard si ce dernier est aussi élevé sur le canal web et téléphonique. D'ailleurs, au regard du taux de conversion web réalisé grâce aux émissions télé et de la part du chiffre d'affaires que le web engendre, environ 60% en 2018 contre seulement 15% 13 ans plus tôt, la stratégie va principalement être pensée pour communiquer dessus. D'ailleurs, nos objectifs marketing, notamment avec notre plateforme Marketing Cloud Oracle, c'est vraiment d'amener nos clients aux clients potentiels vers nos émissions pour annoncer les événements, les nouveautés, les promotions du jour. Il existe donc une synergie entre le support de communication central, qui est l'émission de téléachat, et ses supports de vente principaux, représentés par le téléphone et le site internet. Toutefois, bien que l'effet de cette synergie soit notable, il n'en demeure pas moins qu'elle reste très dépendante des autres supports de communication. C'est pourquoi Téléshopping et Home Shopping Service les ont développés ces dernières années pour donner de la stabilité au résultat de cette synergie. Email, SMS, réseaux sociaux, publicité Facebook Ads et Google Ads, catalogue papier et numérique, tous transmettent de l'information amenant directement ou indirectement les clients potentiels à visionner l'émission télé. Émission qui les amènera alors à se procurer directement le produit par le biais du site internet et du téléphone, ou indirectement par le biais d'autres canaux de vente moins prolifiques mais pas moins importants que sont la vente à domicile et en réunion, le social shopping, le courrier, le e-commerce par la télé connectée, les boutiques physiques ou bien encore les pop-up stores en centres commerciaux. Soulignons qu'il est bien évidemment possible que le prospect soit un grand garçon et qu'il n'ait pas besoin de l'émission pour se décider à acheter le produit. Mais cette situation restant très marginale, il est naturel que les efforts marketing soient principalement portés sur la communication de l'émission. Finalement, alors qu'on aurait pu penser que la nécessité de développer une stratégie multicanale, multisupport met en péril la pérennité des sociétés de téléachat, elle s'est révélée être un excellent moyen d'optimiser l'acquisition et la fidélisation client. Mais c'est surtout grâce à leur stratégie globale développée ces dernières années pour faire face aux contraintes légales et à l'évolution du marché que Home Shopping Service et Téléshopping ont réussi à survivre et rester des acteurs majeurs de la vente à distance. Et malgré une concurrence de plus en plus forte dopée au e-commerce et un CSA toujours aussi rigide face à ce mode de vente, les possibilités immenses qu'offrent la digitalisation et une possible fusion entre nos deux acteurs promettent encore de belles années à notre très cher et tendre téléachat. Mais en attendant de voir ce que l'avenir leur réserve réellement, pensez à bien vous abonner à la chaîne et activer la petite clochette de notification pour ne pas passer à côté de mes prochaines vidéos. Et si vous êtes entrepreneur ou souhaitez le devenir, vous pouvez bien sûr visionner mes autres vidéos ou télécharger des ressources supplémentaires disponibles en description. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, rappelez-vous bien d'une chose, l'argent avant le client.